Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous explique un peu aujourd'hui ce qu'on va faire. Donc là, on était au stade qui se trouve à Séoul, où tous les matchs de foot, etc. se passent. Pas les criquets qui me coupent la parole quand même. Tout était fermé, les bornes pour prendre les tickets, etc. Tout était fermé, du coup on n'a pas pu visiter le stade, mais on a quand même mangé, c'était bien. Et là du coup, direction Hongdae pour aller dans un café chien. Et nous, c'est ça, on a l'habitude de prendre tout notre temps. Ah, le fameux stade. Au revoir, le stade. Punaise, là, je suis en train de faire un coucou. Les gens, ils vont croire que je fais un coucou à eux. Et mais il faut pas lui dire marché. Là, il y a un beau marché. Elle a dit, c'est ça, il n'y a pas la clim. Bon, on va pas y aller. En plus, ça se voit, ça a plus de poisson aussi. Et je vous présente ma... Oh. J'ai pas compris. On a aucune. En fait, on se connaît pas. Avec ma meilleure amie. Je vais pas présenter, mais en gros, elle vient d'arriver là en Corée. Et c'est la personne avec qui je suis partie la première fois en Corée. T'es gênée? Ouais, de ouf. Et du coup, c'est avec Emeline que je suis partie la première fois en Corée du Sud en 2019. Ouais. Expérience de dingue. Et là, bah, partie 2. Partie 2. Voilà. Ça se voit, t'as stressé ta petite. Non, même pas, j'ai fait tout le temps ça. Mais tu critiques en fait. Punaise, il y a un bus. On pense que c'est lui. Mais tu t'es pas vu, c'est vraiment la honte. Samantha. Bon bah du coup les gars, c'était ce bus. On a couru. Heureusement le bus il nous a attendu. On n'était pas sûr que ce soit lui. Reda maman comme elle a dit c'est celui-là. Scanner sa petite carte à l'entrée et ensuite à la sortie. Par exemple là je l'avais scanné juste ici et là tu l'as scanné aussi quand tu sors. On est bien arrivé à Hongdae. J'avais honte de leur dire, venez, on rentre dans cette boutique. Je leur ai dit, ah, elle a l'air bien cette boutique. Donc, celle-ci, du coup, elle est à Hongdae. Il y a plein de petites bouffes et tout. Ouais, il y a même des fruits. Mais ouais, hey, c'est des trucs que t'as envie d'acheter. Regardez le packaging. Ils sont grave chauds. Oh, ces chips là, les gars, c'est tellement bon. T'as trouvé des trucs? Ouais. Ah ouais, c'est combien Daiso? À Daiso tu peux trouver moins cher. Bon bah j'ai regardé. Mais déjà, mais même ça, regarde le prix. Alors qu'à Daiso ils sont à 3000. Ah ouais d'accord. Non. J'avoue ils abusent du prix. Ça va ouf, ça trop mimi. C'est trop mimi, ouais de ouf. Ça, j'aime trop ça. Oh sorry. Ça, tu peux le recommander à tes abonnés. Vas-y. C'est très bon. Tu la recommandes? Et s'ils aiment pas, on fait quoi? Je vous donne son adresse, vous inquiétez pas. Je vous jure, j'aime trop ce genre de boutique, il y a trop de trucs. 13 euros. 13 euros, c'est une dinguerie. C'est quand même très grave. Hein. C'est très très grave. En fait, goûter un fruit du dragon avec le vrai goût. Non, ça par contre, mon rêve, les gars. Mon rêve ? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est 7 euros. Combien ? 10 000 won. Ça va, c'est pas les 12 euros du resto. C'est quoi ça ? 12 euros. Ça date des fruits. 12 euros. Oh, mais c'est modifié scientifiquement. Par contre les bananas ouyou, je sais pas qui kiffe ça, c'est horrible. Qui aime ça? Je ne comprends pas. 3500 won. Ah ouais, le Nutella 6850, ça fait combien? C'est 1850, ça fait 5 euros. Un peu moins. Un peu moins. Bon bah les asticots comme d'habitude. Et menu, dégustation asticots. Non merci. Ni ketchup. Eh, on devrait grave acheter ça pour la maison. Des quoi? Des mini ketchup. Ah, ça veut c'est mini. 1000 won. La vie, je vais prendre. Non, mini maillot. Non, il y en a à la maison. T'en as? Ouais, il y en a encore. J'en ai deux. Ouais, je te jure, je viens d'en acheter un il y a 2 semaines. Et je l'ai utilisé une fois. Moi, je fais une fois. Mais ketchup, c'est pour les frites et tout. Moi, je vais prendre.
Par contre, moi je le dis les gars, en France il y a des meilleurs gâteaux. Parce que là regardez, genre c'est que des gâteaux très sucrés, toujours enrobés d'un truc et tout. Alors qu'en France on aggrave des gâteaux. On aggrave des gâteaux genre avec au moins de... Bah du gâteau, genre du gâteau au yaourt ou des trucs comme ça, vous voyez. Ici je trouve pas, c'est tout est enrobé de quelque chose. Vous avez les fameuses boissons. Par contre j'ai jamais compris la vibe de boissons au lait, limonade, j'ai pas compris. Ça c'est trop trop bon les gars, c'est hyper bon. Ça, pruneau. Il y a des céréales. En vrai, il y a un peu de tout. Le poulpe séché. Oh mon dieu. Qui aime ça? Mais s'il vous plaît, il y a vraiment des gens qui achètent ça. Ah, du crêpe. Ils vendent des trucs chelous un peu. Mais t'as envie de goûter? Ça fait un peu peur. Ah bon? Ça fait un peu peur. Bah, genre, ah, mais ah, c'est du crabe en comme conserve. Comme du thon en fait. Regarde les petits. Les petites têtes là de poisson. Tu sais que ma mère, ça c'est son kiff ça. Les trucs étranges comme ça. En vrai, ça a pas l'air mauvais. Genre, ça se voit, c'est juste super salé. Non, mais tu vois, ça se voit, c'est croustillant et super salé. Mais ça a l'air amer. Genre, on dirait que tu manges l'eau de la mer, non? J'ai pris que c'était une course. Du coup, les gars, j'ai pris un mini ketchup comme ça, 76 centimes. Mais je vous jure, c'est grave utile. Mmh. On est arrivé, moi, c'est juste ici. Doc Café. Je pense qu'elles ont pas capté. C'est là. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Du coup, faut monter ici. C'est trop mignon. Par contre, ils annoncent pas qu'il y a un big chien. Eh, les gars, on a vu des photos. Il y a un chien, oui, qui fait la taille d'un humain. T'en vois? Je vais voir. Les gars, on est arrivés. Regardez-moi ça. Mais attends, ils ont des petites couches, c'est quoi? Du coup, les gars, on nous a donné ça. C'est 11 000 won l'entrée. Et du coup, t'as à boire avec, c'est compris avec. Moi, je vais prendre un grape apple. Et par contre, si vous voulez milk tea, etc., bah, c'est 2000 won de plus. Les gars, c'est trop mignon. Oh. Oh, mais j'aime trop. Les gars, je pensais elle allait me donner ça dans un verre et tout. Non, mais c'est pas grave, c'est juste. Mais ça revient là-même, c'est juste. Ça a l'air éclaté. Non, ça a l'air bon, ouais. Ah bon? On va tester. J'ai l'impression que j'ai 10 ans. Les gars, ça marche pas. Mais par contre, pourquoi ils ont des trucs sur eux? Regarde, lui. Bah quoi? Ah ça, c'est ouais, il est... pas qu'il se... Qu'il se... Peut-être qu'il se gratte, c'est une collerette. Ah. Le chien il vient de faire pipi. Normal. C'est pour ça que ça pue. Wow. Non, lui il est magnifique. Il est magnifique. Eh, ce chien, il est incroyablement beau. Waouh. Ah, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Ils se battent. Ouais, bagarre, bagarre. Coucou toi. Coucou. Oh Nin. Toi, toi t'es allé dans le plus dangereux. Les gars, je suis partie devant lui, regardez ce qu'il fait. Oula. Non mais si, wesh. Mais je crois qu'il est, il est malade, non? C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. Je savais pas. Eh, il est grave dangereux. Il est grave dangereux. Il est grave dangereux, chihuahua. Ça, c'est vraiment le meilleur chien. Il est trop, trop beau. Mais ça, eh, il me regarde. Bonjour. Ils sont bruits, ils sont là. C'est trop bien. J'ai une bagarre en direct. Lui, par contre, c'est mon préféré, je crois. Coucou, toi. Ça va, toi? Je le tiens comme un bébé. Ça va, il a l'air grave. Les gars, je sais pas si je le tiens bien. Ça va, tu kiffes ta vie? J'ai peur. En fait, j'ai peur qu'il se... Bon, bah je le reprends.
Je pensais qu'il était mal à l'aise. Mais je pense qu'il kiffe sa vie. Il est parti, il m'a quitté. Il veut pas lâcher les lacets de la meuf. Regardez ce chien là, il est tellement à l'aise, il s'est mis sur le dos. Il est gros. Bah alors Emeline, t'aimes pas ce chien? J'adore ce chien. Surtout Emeline. Là il est dans son paradis. Oh lui on l'a pas vu lui. Il est trop mignon. Moi de base les gars j'ai peur des chiens. Et de plus en plus j'ai de moins en moins peur des chiens. Je sais pas si c'est parce que ma meilleure pote a un chien maintenant. Mais là j'ai de moins en moins peur des chiens. Tu sais qu'elle me dit, je crois que c'est grâce à toi que j'ai moins peur des chiens. Ah ouais? Tu penses hein? Bah, depuis que t'as Raya, t'as vu Raya au début j'avais peur d'elle. Ouais. Ouais il veut que sentir, il veut voir s'il y a de la bouffe. Les gars regardez moi ce chien comment il est énorme. Lui il est trop méchant lui. Lui depuis tout à l'heure il fait la hagra à lui, regardez. Regardez. Ah non là il a rien fait. Il a un nom à... Il a une tête à s'appeler Akira. Oh, j'ai peur que genre je le touche et... Il se retourne. Ouais, exactement. Non. Ma phobie. Wow. Est-ce qu'il va lui mordre la queue? Là, il y a un chien qui a fait pipi. Du coup, Emeline a pas essayé de leur dire. T'as dit quoi, pipi? Mais parce que ça me fait rire. Alors, pourquoi ça a dit pipi? Mais elle a fait peur. Tu peux pas t'allonger? Bon, les gars, là, on vient de finir le café chien. Moi, je suis sortie parce que je crois que je suis allergique aux poils de chien. J'arrêtais pas de tousser, etc. Donc, je suis sortie. Et les filles, 2 minutes après, elles m'ont rejoint. Et du coup, là, on va aller rejoindre Asia. Et il y a Samy après qui nous rejoint pour qu'on aille manger des rosés topoki. Les gars, les rosés topoki, c'est tellement bon. Je vais vous montrer. Donc là, on est toujours sur Hongdae. Et là, du coup, on va direct au Starbucks. Le Starbucks, il est juste là. On va se poser. Punaise, les gars, je suis tellement pas habituée à faire des vlogs que j'ai oublié de vous filmer le petit Starbucks. Mais bref, on était trop à fond, on parlait, etc. et tout. Mais là, du coup, ça m'est arrivé. On va aller la rejoindre devant le Rosé Topoki. La réaction des gens, t'es moi, il lève tous la tête. Je vais mourir. Et je vous jure, tout le monde se retourne, c'est hyper drôle. Et Rosé Topoki, c'est juste ici. Ça m'a l'air ferme. Ah ouais, la perche, c'est une dinguerie. Ah là là. Ouais. Là on va monter, c'est... Oh il y a quelqu'un derrière. Wesh, on est dans la maison des Minnie Mouse ou quoi? On dirait qu'on doit baisser sa tête pour... Quelle nuit. Oh non, il y a du monde. Ouais. Les gars, on a attendu au moins une heure. On a attendu une heure, c'est ça? Une heure. À faire la queue, parce qu'il y avait grave du monde pour manger des rosettes au poquet. Voilà, ça se voit qu'on a attendu une heure.
Et vraiment, on est KO. Il y a des gens qui se sont levés une seconde après, on s'est assis direct. Regardez la queue. La queue, ça va jusqu'en bas des escaliers. Il y a grave du monde. Bref, on est vraiment aigri. On est aigri. On a faim. Fromage, hein. Tu peux voir. Par contre, ça, rosette aux poppies. 5 minutes tard. Oh. Tu sens l'odeur là? C'est une... Oh là 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 là. Ça sent trop bon. Maintenant, faut attendre que ça soit juste. Eh merde! MDR! Tellement bon! Je vais plonger dans le. Je vais faire une assiette! 5 minutes! Ouais! Allez, let's go! On fait ça après? Ça fait plus? Mais non! Ça pique, mais ça va! Pas de cidouille! Ça pique, ça va! Oh là là! En plus, comme c'est chaud, ça. J'ai trop le seum que ça pique. Ouais, ça va à la gorge, là ça brûle. Ça va prendre rajouter quoi que ce soit là. Ça fait grave ça même. Oh la Tunisienne de l'entendre le son de feu. Alors la Tunisienne, trop piquant. La gosse ça va aller. Mais si ça c'est bon piquant. C'est quoi la version de dessus? La version de quand ça pique vraiment. Qui veut de nous les gars? Ça pique vraiment. T'as fini de manger? Vous en avez pensé quoi les gars? Moi, c'est où je parle pas parce que je vais les descendre. Moi, je mets pas avant. Ah, ça a mis du parfum. Là, c'est monté dans mes narines. Les gars, on a attendu au moins une heure pour manger du piquant. Du piquant. Ah, voilà, c'est une dinguerie. Alors, elle a commencé. Ouais. Carrément, le taxi, il a klaxonné. C'est trop drôle. Total, on a payé 30 000 won, ça fait 21 euros je crois. En vrai ça va pour 4 personnes. Non c'est pas cher. Franchement c'est pas cher du tout. Ouais vraiment. C'est pas cher, c'est pourquoi ça fait pas cher. Un service t'as peur. C'est qui tu vas à Tokitokuki pour avoir un service bien? Non. Ou alors tu vas à Tokitokuki. Ouais c'est Tokitokuki qui fait ton plat là. Mais regarde, t'as vu Tokitokuki de Shinshon, mais ce bâtard à chaque fois il est méchant avec nous. Tu payes ton plat à 5 euros. Même le grec ils ont payé à 5 euros. Ça se voit t'en as sur le cœur. La vie. Jure, jure, fou. Il y a de l'ambiance ouais. Il y a même un chien. Ça me dérange. Mais c'est là au milieu. Il y a plein de chiens, tu les vois pas. Il y a même un chien. Ah, c'est le chien. Salut, salut. Ah, tu sais qu'ils prennent les chiens dans le public, hein. Ah non. Eh, hey, moi, c'est pour moi. Clip, clip. Oh. Par la nous, je vois ce qu'il y a. Bang, bang, bang. Lady, lady.
Grave du monde là-bas. Là c'est beaucoup plus calme. Apparemment c'est Bruno Mars, c'est ça? Moins d'ambiance ici, mais. Oh, it's for me. De tir, vous voulez pas, avec des billes. Ouais. Tu vas tirer là? Oui. Tu vas tirer? Ouais, je vais tirer. Tu vas tirer quoi? Je vais tirer ça. T'as un gris, wesh. T'as vu, c'est stylé. Bon bah les gars, on va tirer. Hein. Et t'enchaînes, non? J'ai pas compris. Allez. En vrai. Mais pourquoi tu t'es enchaîné? Pourquoi tu t'es bonne? Pas mal. Ah merde. Non, t'inquiète. En vrai, pas mal. J'ai enchaîné parce que j'avais la haine. Je me suis dit, allez, brrr. Brrr, brrr, tata. Ça va, non? J'ai pas raté ma cible en non, vrai. Ça va. Ça va. Ça, on va pas les compter. On va compter que ça. Ça va. En plus, t'as vu le son là, ça nous met la lambeau. Ouais, en mode apocalyptique. En même temps, même le décor. Hein. Je fais ma petite pub en style. On est au Japon ici. Regardez, ils aiment trop. Ouais, de ouf. Ils aiment trop les boutiques pour chiens. Regardez, ils vendent des fambo. Pour les chiens, genre. Ils ont des salopettes, ils ont des petites robes. Mais c'est trop drôle. Viens, c'est un. C'est pour un loup. Mais ça, c'est pas pour un chien quand même. Tu sais, il y a des chiens de Thaïlande. Mais c'est ouf quand même. T'as mal les petites photos. C'est super drôle. Ah, c'est là. Ah, ça, c'est pour toi, ça. Miaou. Bon, là, tu sais qu'au Japon, il y a là les chapeaux pour les chats. Genre, Hello Kitty. Allez. Allez. C'est que je suis trop envie d'en acheter un chat. C'est trop. Mais comme elle est pas avec moi, j'arrive pas. Ouais, à t'imaginer, genre. Bah regarde, là t'as des petits exemples. T'es ma. C'est mignon, j'avoue, c'est mignon. Oula, ne fais pas. Petite démonstration. C'est une dinguerie. C'est un jeu. Salut. Il est comme ça. T'allais tomber. Nous quand on prend des photos. Hey, hey. Une fois je passe devant ça, j'ai envie d'acheter ce sac. Il est pas trop beau. Il est vraiment très très mignon. Même lui en vrai. Hein. Ouais. Hey, le marron. Ah, c'est trop beau le marron. Regardez-moi ça. Ah. Enfin le marron de cette couleur c'est mieux. Tout le monde va regarder. T'as vu la réaction des gens, c'est trop drôle. C'est super drôle. Je suis comme ça. Oula, par contre tu manques un peu de rouge à lèvres. Oh. Oui, oui. Where? 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 Where?
Elle est pas américaine. Vraiment ici à Hongdae on voit de tout. Il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui sont par terre en train de vomir. Regarde vraiment, ouais il est plus là le turc. Vraiment, il y a partout. Des restos turcs, des trucs turcs et tout, il y en a partout. Regardez la fameuse longue glace là que j'ai fait tomber en même pas une seconde. Toujours le même proprio. Hein? Ah mais elle a pas pris cornet, elle a pris elle a pris un gobelet. Eh pas mal l'idée hein. Elle a pris un gobelet. Ah c'est une boutique de bijoux. Elles sont ici. Punaise, wesh, c'est énorme. Dites-vous, tout ça, c'est juste des pinces. C'est un truc de ouf quand même. Non, mais là, tu peux passer. Mais genre, ça me trouble. On dirait un miroir. Ouais, c'est vrai, il y a un miroir, ça peut pas. Ça, c'est des bagues, ouais. Wow. C'est trop mimes. J'aime bien. Après, vous avez les mêmes à Gotomol. Je suis obligée de filmer en 0,5 tellement il y a grave du choix. C'est une dinguerie. Moi j'aime bien ces petites jupes. Il manque pas un truc là. Cette robe ils l'ont pas fini. C'est bizarre. C'est le style, je connais pas. Non, moi je. Oula. On dirait des égales. Mais attends, mais il manque quelque chose là. Après la jambe elle passe par où? Je comprends pas. Mais non, après elle passe quelque part, c'est un plus. C'est la jambe elle passe là. C'est une robe genre normale, c'est un plus. Ah, c'est une robe. Mais oui. En plus, c'est la cousière, c'est quoi ça?
J'ai pas compris, franchement, non. Je valide pas. Oh my god. 24 000 won. On dirait les Windows. Mais 24 000 won, ça, on dirait une moustiquaire, wesh. C'est une moustiquaire du corps. Ouais, c'est vrai que c'est beau quand même. Il y a des trucs qui sont pas mal. Mais. Combien ? J'aime bien. En vrai, ça, j'aime beaucoup. Avec une petite chemise, un truc comme ça, genre. Ça coûte combien ? Bon. Allez, venez, on joue à la devinette. 30 000 won. Oh, en vrai, ça va. Genre, ça fait 30 000 won, ça fait combien ? 20 et quelques euros ? Les gars, c'est un labyrinthe, ce truc. J'arrive pas à me retrouver. Il y a trop de trucs. C'est trop beau. C'est du poulpe. C'est ouf. Ça a l'air vraiment pas bon. Tout ce que les gens ont mangé, à chaque fois que les gens finissent de manger ça, ils mettent la branche juste ici. Des chaussettes Ikea. Ici c'est vraiment la mode. Ça me fait trop rire. On essaie de trouver un petit café où se poser, un truc comme ça, sauf qu'à Hongdae, bah, c'est toujours les mêmes cafés, genre... Du coup, on essaie de trouver un bon petit spot, bien petit café, mais on trouve pas. Là, on va au Seoul Bing, on va prendre un petit bingsu. Eh, meilleur dessert coréen. Meilleur dessert coréen. Dessert, pardon. C'est trop trop bon. Si je ferme à 2h du matin, c'est parfait. Wesh. Il y a tellement de monde. Emily, tu veux à boire? C'est bon, chérie. Les gars, on a pris un bingsu. Ah, c'est bon. À la mangue. For real? Non, c'est bon. Mais ça, déjà, pour moi, c'est déjà à boire. Attends. Ça. Vas-y. C'est quoi ça? C'est du cream. C'est des trucs à la crème. Ouais, ouais, ouais. Merci, chérie. Ouais, c'est à ça qu'il fera là ce jour. C'est à ça qui. Je te rends compte, on doit en arriver à où pour que je fasse. Il y a même des plaids, les gars. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de clim. C'est quoi ça? Attendez. Ouais? Ça va? Je m'arrête pas, on dit pas. Oh! La grande? C'est la première. De rigolage, là? Mais elle fait pas vieille. Son cœur, elle est grave jeune, la grande. Et toi, t'as fait date avec elle, wesh. Il y a un parapluie. Il y a un parapluie. Je vous jure, en Corée, il y a tellement de parapluies partout. T'as déjà volé des parapluies en Corée? Bah oui, je l'ai dedans. On l'a volé au McDo. Arrête, les gens, ils vont croire que je vole des... Les gens, ils vont croire que je vole des parapluies. Non, je vous jure, les gars, c'est pas ça. En gros, c'est juste que... C'est pas ce que vous croyez. C'est juste qu'en fait, t'es en Corée, t'as des parapluies, tu les oublies. Ou sinon, genre, tu les poses, il y a 10 000 parapluies. Oh, les gens, ils te... Ouais, ça se... Tu perds ton parapluie, les gens ils te prennent ton parapluie parce qu'ils pensent que c'est le leur. Du coup, bah forcément, tu prends un autre parapluie. Tu dis, maman, je prends un parapluie des gens. Je vous explique, moi là, ce parapluie c'est pas le mien. C'est quelqu'un en fait qui s'est trompé, qui a volé mon parapluie. Du coup, j'ai pris le sien aussi. Je viens chercher Samia parce qu'elle a volé des parapluies. Elle est là. La vie de ma mère, j'ai pris le plaid. Voilà, j'ai pris le plaid. C'est bon, ah ouais, t'es comme ça, c'est fêté. Elle va le brûler, on va le brûler. Ça pue, ça fait un SMR, tous les cas, va le laver. Elle allait rentrer chez avec un plaid tout neuf à la maison. Mais tu sais, j'ai pas capté. En plus, ils m'ont vu sortir. Ça va chérir, ma gueule. Mais y'a quelqu'un qui le veut, tu le veux? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends ça. Tu fais le bon choix. Mais je suis arabe. Justement. Les gars, je vais redéposer le plaid. Ça peut arriver à n'importe quoi. Ouais, vraiment. En fait, surtout quand t'es avec des gens. Tu sais, tu pars. Ah, zizi. Mais quand t'es solo, tu réfléchis. Donc ça va, tu vois. Est-ce qu'il est encore là, le cafard? Imagine, je reviens et il y a la police qui m'attend. Il y a ta photo. Quand tu affiches les gens là, il y a ta photo qui.
Je imaginez un jour t'es là, tu rentres, je rentre à Hongdae et tout, je vais à ma photo. Oh non, je vais au Sulming, je vais à ma photo. Non, elle va voir, t'es quelqu'un de. Je vais la redémonter. Punaise, la honte. Attends, y'a pas les CCTV là, je vais leur montrer le plaid. Non, je vais montrer au CCTV. J'ai le plaid. J'ai le plaid. Oh punaise. Je sais pas s'il y a des CCTV là. Voilà, il est bien là. Hein. Punaise, hey, de rentrer la clim plus là après ressortir dans l'humidité. Oh le choc. Ouais. Je vais tomber malade. Les gars, le vlog est fini pour aujourd'hui. Là, je vais rentrer, je suis fatiguée. On s'est dit au revoir avec les filles du coup. Et j'ai bien rendu le plaid, hein. Vous avez la preuve, là j'ai bien rendu le plaid, il est pas volé. Et bah là du coup on va rentrer à la maison, on va dormir. Et bah on se dit à une prochaine. Pour une prochaine.